figure de rhétorique. Tzarabil El Bayani. Une figure de style est une façon d'exprimer une idée ou un sentiment en jouant avec les mots. La comparaison est la métaphore. Tashbih wal isti'ara. Aya, qu'est-ce que tu as? Tu es rouge comme une tomate. J'ai couru après mon bus et je l'ai raté. La comparaison compare une chose que l'on appelle le comparer. Dans notre exemple, la personne essoufflée. À une autre chose que l'on appelle le comparant. Dans notre exemple, la tomate. Grâce à un outil de comparaison, comme, ainsi que, pareil à, etc. Un autre exemple de la comparaison. Cette mauvaise note en français l'avait mise en colère. Il avait le regard noir, comme du charbon. Ici, le comparé, c'est le regard, et le comparant, le charbon. Sans oublier l'outil de comparaison, comme. À présent, la métaphore, elle est sérale. La métaphore est une comparaison elliptique, car on n'a plus besoin d'outils de comparaison. Notre école. Un monde de connaissances. Un univers de savoir. Mon collège, le comparé, est vu par le locuteur Al-Mutakalim comme un univers de connaissances et de savoir. Mais, petit rappel, dans la métaphore, on compare sans outil de comparaison.